Aja Zandwa Zandwa ba profeta Zandwa kutenda kubantu Zandwa Abrahama Zandwa Isaka Zandwa Yakob Zandwa Musa Zandwa Elia Ngwana mchona kwa Oh Père, il n'existe pas meilleur endroit que ta présence. Où tu es, je veux être. Où tu es, je veux demeurer. Alléluia. Dans cette pièce, je ne voudrais qu'avoir deux chaises. Une pour toi, une pour moi, pour t'entendre de plus près, oh. Dans cette pièce, je ne voudrais qu'avoir deux chaises. Une pour toi, une pour moi, pour t'entendre de plus près, oh. Je voudrais t'écouter, oh. Yahweh, je voudrais. Passer des heures avec toi, juste toi et moi, car mon cœur. Dans cette pièce, je voudrais avoir deux chaises, et pour toi et pour moi, pour t'entendre de plus près. Dans cette pièce, je voudrais avoir deux chaises, et pour toi et pour moi, pour t'entendre de plus près. Je voudrais t'écouter, oh. Yahweh, je voudrais t'écouter, oh.
Napusani, napusani, liboso na yo Kimelo nangai, Yesu Kristo Mobateli nangai, seyo masia Natie motema, sepai na yo Natomboli maboko, kongumba mela yo Kimelo nangai, Yesu Mobateli nangai Qui melonanga Kolotala banguna nangai Batali nyango kolimwi sangai Batie mitambu na bazela nyoso Balobi ete ngana kolimwa Babosani oyo akobatela kangai Babosani oyo akobomba kanga Yesu Kristu Mobateli nangai Ekimelo nangai Nakumisi yona ngumba melio Mobateli nangaya kolala kate Mokengeli nangaya konimba kate Nanyako botolanga na maboko na yo Bomoi nangaye simba mina yo Ebomba melo nanga Yesu Mobateli nangaye Ekimelo nanga Kumisi yona ngumba melio Mobateli nangaya kolala kate Mokengeli nangaya kolina kate Nanyako botolanga na maboko na yo Bomoi nangaye simba mina yo Ebomba melo nanga Yesu Ekimelo nangaye Mobateli nangai ye ye kimelo nangai ye Mobateli nanga Molobeli nanga Molongisi nanga Yonde papa nanga Nazana papa mosusu te Yesu nangai Yonde papa nanga Shalom, 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 soyez bénis. Soyez bénis abondamment. Nous bénissons le Seigneur pour ces jours. Voici le jour que l'Éternel a créé. Nous lui rendons des multiples actions de grâce. Nous sommes toujours en train de parler de la déception amoureuse. Ce soir, nous parlons de comment réussir à faire un bon choix après une déception amoureuse. Donc, pour le dire dans une forme contractée, nous disons les bons choix après la déception. Les bons choix après la déception. Les bons choix après la déception. Comment réussir à faire les bons choix après une déception amoureuse? Donc, c'est clair, dans l'énoncé déjà, c'est très clair que c'est les choix dont nous parlons ce soir, c'est le choix après avoir échoué. Parce que lorsque vous traversez une déception amoureuse, c'est un échec. Vous venez d'échouer. Ça peut être dû à la faute de votre compagnon, compagne, la personne que vous avez aimée. Ça peut être dû à votre faute à vous deux. Mais en tout cas, il y a eu une séparation brutale, brusque. Ce n'est pas ce que vous avez souhaité qui est arrivé. Voilà, vous vous êtes séparés et vous êtes restés blessés. Un trou dans votre cœur, vous vous sentez désabusé parce que ce n'est vraiment pas ce dont vous vous attendiez
et on vous a blessé au travers de cette séparation brutale. Votre cœur est resté avec un goût d'inachevé, un goût de douleur, de peine, de souffrance. Vous souffrez de cette séparation. Cette séparation vous a dégoûté de la vie, vous a dégoûté des relations amoureuses. Voilà. Donc, maintenant, comment repartir à zéro? Comment rebondir? Comment faire un bon choix? Comment faire un autre choix et que ce choix-là soit un bon choix? Voilà, c'est de ça que nous parlons. Nous sommes toujours dans les psaumes, chapitre 19, verset 13. Psaume, chapitre 19, verset 13. Nous sommes toujours là. Alors, la première chose qu'il faut faire, lorsque vous voulez faire un bon choix, après une déception amoureuse, c'est de ne pas être pressé. Avant d'entamer ces premiers points, nous allons répondre à la question d'hier. Enfin, par rapport à l'émission d'hier, il y a des gens qui ont des questions. Que Dieu vous bénisse, pasteur Joël, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, ma tendre chérie. Bonsoir. Alors, il y a des questions et des réponses aux questions. Je veux répondre. Avant nous allons répondre à une question. Bonsoir, bonsoir à tous. Excusez-moi. Nous allons répondre à une question de ma fille, de notre fille Fatou, qui vit en France. Alors, c'est une question liée à la déception, mais pas amoureuse, des déceptions professionnelles, des déceptions humaines. Alors, elle dit, comment avancer alors que la cause profonde de la déception n'est pas traitée, c'est-à-dire mensonge, manipulation, dissimulation. Comment donc surmonter une situation pareille? Comment faire? Réponse. Oui, vas-y, chérie. D'accord. Je ne sais même pas si j'ai bien suivi, j'ai bien compris la question. Je reprends la question. Oui, vas-y, maman. Alors, la question est celle-ci. C'est une déception, mais elle n'est pas amoureuse. C'est une déception professionnelle. Mmh. Et ça arrive très souvent à plusieurs. Mmh. C'est une déception professionnelle, c'est-à-dire les gens avec qui vous travaillez, mais vous constatez que ces personnes vous déçoivent parce qu'elles elles naviguent dans le mensonge, alors que vous, vous êtes enfant de Dieu, vous êtes chrétien, vous êtes chrétienne. Alors, elle dit, comment faire donc pour avancer? Parce qu'on a dit qu'il fallait avancer après la déception, alors que le problème profond n'a pas été traité. Le mensonge demeure, la manipulation demeure, les dissimulations demeurent. Donc comment faire donc pour avancer avec ces personnes? Parce qu'on vit avec, on travaille avec. Ce sont des collègues de service. Comment faire pour avancer après une telle déception alors que le problème n'est pas traité, le fond du problème n'est pas traité? Oui, en fait, c'est une déception sur les lieux du travail. Exactement. Ou dans d'autres relations, ça peut être aussi à l'église ou ailleurs, sur les lieux professionnels par exemple. Vous n'êtes pas... En fait, c'est une déception dans la relation, mais ce n'est pas vraiment une déception amoureuse. Non. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé d'être en amour avec ces gens. Non. Vous n'êtes pas obligé d'être en amour avec ces gens. Mais vous êtes obligé de continuer à travailler avec eux. Et de les voir tous les jours. Et de les voir tous les jours. Donc, dans ces cas-là, vous n'êtes pas tenu de les aimer ou de leur faire confiance. Si vous devez les aimer, vous devez les aimer parce que Dieu a dit qu'il faut aimer tout le monde. Exactement. Vous allez les aimer comme des êtres humains. Exactement. Vous les aimez comme des êtres humains, vous les respectez, mais vous ne pouvez pas leur faire confiance. Vous ne faites pas confiance à leurs paroles, vous ne faites pas confiance aux engagements qu'ils prennent avec vous. Et vous, non seulement que vous ne faites pas confiance, mais vous faites très attention. Vous êtes prudent pour qu'on ne vous blesse pas pour la deuxième fois. C'est-à-dire qu'on ne vous fasse pas le mal pour la deuxième fois. Je ne cesse de parler de ce que cette femme a dit, Eleanor Roosevelt, cette épouse de chef, l'épouse du président des États-Unis. Quand quelqu'un vous fait du mal la première fois, c'est sa faute. Il vous fait du mal la deuxième fois. C'est sa faute. Mais la troisième, la quatrième fois, ça ne peut plus être sa faute. C'est votre faute à vous. Vous à qui on fait du mal. Donc, ceux qui nous suivent doivent comprendre que vous devez vous mettre dans les conditions
pour que ça ne se répète plus. Pour que vous ne puissiez plus souffrir, parce que vous ne devez pas souffrir. D'accord. Donc, dans son cas, puisque ce sont des collègues qui, par exemple, dissimulent des comptes, oui. qui vivent dans la manipulation et dans le mensonge, alors oui. que vous travaillez avec eux, vous avez un rapport à présenter, mmh. mais ils ont déjà travaillé sur le rapport, ils ont déjà truqué mmh. le rapport, alors que vous savez que ce n'est pas la vérité, que cette comptabilité, par exemple, mmh. n'est pas correcte. Donc, vous êtes obligé, au fait, de savoir, de réaliser avec quel type de personne vous travaillez oui. et de comprendre que c'est vous ce devez qu'ils vous protéger. Sont. C'est voilà. ce qu'ils sont. Mmh. Protégez votre cœur, protégez votre âme par rapport aux blessures. Ne vous laissez pas blesser parce que ces personnes, à moins que le Seigneur le décide, mmh. mais elles ne changeront pas, elles sont comme ça, mmh. elles vivent dans la manipulation. Mmh. Vous restez juste tout en protégeant votre cœur, c'est-à-dire refusez d'être blessé mmh. pour ce qui est déjà. Mmh. Donc refusez d'être détruit à l'intérieur de vous pour la réalité qui est la vôtre, c'est-à-dire vous travaillez avec des personnes malhonnêtes. Mmh. Et donc, vous devez absolument protéger votre cœur, c'est-à-dire savoir qui ils sont et vous focaliser sur votre honnêteté mmh. et sur votre droiture, mmh. sans vous faire trop de mal, même si le rapport est présenté d'une manière très falsifiée. Mmh. Vous savez ce que vous pensez, vous savez ce que vous c'est que vous comprenez de la situation mmh. et eux aussi savent ce que vous pensez. Ils savent ce que vous êtes et Dieu sait ce que vous êtes. Et cela vous suffit parce que malheureusement ou heureusement, nous vivons dans une société qui n'est pas totalement chrétienne. Tout le monde n'est pas chrétien, tout le monde n'est pas enfant de Dieu. Et même au milieu des enfants de Dieu, tout le monde ne pratique pas la chrétienté comme la parole de Dieu nous la recommande. Donc il faut le savoir. Il faut donc dans la spiritualité grandir, savoir que même dans l'église locale, les personnes qui se disent chrétiennes, toutes ne vivent pas forcément selon ce qu'ils croient. Alors voilà pourquoi il faut refuser donc de se blesser et il faut refuser d'être frustré. Il faut simplement comprendre que ces personnes sont telles qu'elles sont. Continuez à prier pour eux, mmh. mais vous restez aussi ce que vous êtes dans la droiture et dans la justice par la grâce de Dieu. Amen. J'espère que on a répondu à la question de ma fille. Oui. Mmh. Et il faut se protéger, hein, parce que c'est vraiment au cas par cas. Mm-hmm. Si leurs pratiques malhonnêtes mm-hmm. peuvent entraîner votre perte, mm-hmm. ou peuvent vous causer des problèmes, peuvent vous mettre dans les mêmes sacs, mm-hmm. il faut savoir se protéger, mm-hmm. prendre toutes les dispositions, tout en restant sage, mm-hmm. et prendre toutes les dispositions pour que jamais vous ne soyez puni un jour, mm-hmm. voilà, à cause de ce que les autres font. Exactement. Mm-hmm. Voilà. Donc, nous pouvons maintenant passer, à moins qu'il y ait une question par rapport à ce qu'on a vu hier. Sinon, nous passons à la première chose. Oui. Comment faire pour faire les bons choix? Comment réussir à faire les bons choix après la déception amoureuse? Mm-hmm. La première chose, c'est ne pas être pressé. Il ne faut pas être pressé à s'engager. Mm-hmm. Ne pas être pressé à vouloir combler le trou, ça fait tellement mal. Ça déchire tellement le cœur. On se sent tellement seul. On a envie d'expliquer à tout le monde. On a envie de se défouler parce que même quand vous vous défoulez maintenant, après 2 heures, quand vous pensez à ça, l'amertume vous remplit, la douleur vous remplit tellement que vous avez encore envie de vous défouler. Vous sentez un vide. C'est une personne que vous aimiez tellement. Et c'est une personne qui vous comblait avec sa présence, avec ses paroles, avec ce que vous aimez chez elle. Donc vous l'aimiez tellement que lorsque elle vous déchire, je parle de la personne, ça peut être un homme comme une femme, lorsqu'elle vous déchire le cœur, elle vous fait mal, vous restez avec un grand trou. C'est une plaie béante. C'est-à-dire, d'abord, vous sentez le vide. Vous sentez les vides de son amour, de sa chaleur. Vous sentez son absence parce que vous aimez sa présence. En dehors de tout ça, il y a le mal, le côté mal. C'est-à-dire ce qui vous a fait de mal. Sa trahison qui vous déçoit, qui vous détruit. Sa trahison.
Et souvent, cette trahison, ce genre de trahison, ce genre de déception amoureuse, c'est-à-dire, vous n'arrivez pas à vous expliquer. Vous avez l'impression que vous êtes dans deux mondes différents. Vous lui expliquez des choses, il ne vous comprend pas et il vous dit des choses que vous non plus, vous ne comprenez pas. Donc, vous êtes dans une incompréhension. Chacun pense avoir raison, alors qu'en réalité, une seule personne a raison de vous deux. Mais chacun de vous pense avoir raison. Et voilà un peu la difficulté, la souffrance dans laquelle vous êtes en train de souffrir. Il y a toutes ces choses-là réunies et ça vous pousse à trouver quelqu'un. Vous voulez trouver quelqu'un qui va non seulement vous apporter ce que l'autre a apporté, mais quelqu'un que vous allez aimer parce qu'on a coupé vos sentiments brutalement. Vous voulez aimer quelqu'un d'autre et en même temps, vous voulez quelqu'un qui puisse vous consoler de la blessure, de la trahison. Vous voulez quelqu'un qui puisse vous consoler. Parce que ce qui est vrai aussi, c'est que si vous trouvez une bonne personne qui vous aime, vous allez, il va, je ne dirais pas qu'elle va faire semblant, mais elle va vous comprendre. Elle va vous soutenir. Certainement qu'elle va charger l'autre. Elle va dire, ah non, ce n'était pas une bonne personne. Voilà ce qu'elle t'a fait. Ainsi de suite. Alors c'est ce que vous voulez entendre en ce moment-là. C'est ce que vous cherchez. Alors, vous aurez tendance à vouloir vous engager très vite. Mais c'est une erreur de vouloir vous engager très vite. Parce qu'en voulant vous engager très vite, vous allez facilement tomber entre les mains d'une mauvaise personne. Parce que votre jugement n'est pas correct. Pourquoi votre jugement n'est pas correct? Vous êtes dans la souffrance. Vous ne pouvez pas faire de bons choix. Vous ne pouvez pas bien analyser les choses. Vous êtes dans une forte souffrance. La déception amoureuse crée une forte souffrance. La personne que vous aimez vous a trahi. C'est-à-dire, vous n'en revenez pas. Vous pensez à beaucoup de choses qui vous font souffrir. Vous pensez aux gens qui disaient, ça n'ira pas loin. Et ils ont eu raison. Vous pensez aux gens qui vous appréciaient. Mais maintenant, ça a échoué. Vous avez honte. Toutes ces choses auxquelles vous pensez, vous trouble. Vous n'êtes pas à même de faire un bon choix. Quelqu'un a dit, quand vous avez une grande joie, il ne faut pas se décider. Quand vous avez une grande souffrance, non plus, il ne faut pas se décider. Parce que justement, votre jugement est altéré. Vous ne pouvez pas bien juger. Vous ne pouvez pas bien apprécier. Votre jugement est altéré. Donc, ce n'est pas le bon moment de passer à une autre relation. Ce n'est pas le moment de passer à une autre relation parce que votre jugement est altéré. Vous ne saurez pas faire un bon choix. Vous risquez de vous rouler davantage. Likez, s'il vous plaît, likez la vidéo afin que ça ne puisse pas bégayer, afin que ça ne puisse pas s'arrêter. S'il vous plaît, avec cette connexion assez faible, il faut liker tout le temps. Likez la vidéo, partagez avec les amis, partagez, s'il vous plaît. Et si vous êtes là, dites-moi, je suis là. Dites-moi, je suis là, s'il vous plaît. Dites-moi, je suis là. Dites-moi, je suis là, Pasteur Joël. Oui, exactement. N'est pas être pressé. Exactement. Il faut vraiment pas être pressé parce qu'on n'est pas, tu as tout dit, je crois, on n'est pas émotionnellement prêt, on n'est pas sentimentalement prêt non plus. Mmh. Et parce que, comme on l'a si bien dit, les émotions fortes, lorsqu'on est dans les émotions fortes, généralement, on ne prend pas des bonnes décisions. Et donc, votre tristesse est grande, votre douleur est grande. Donc, il est préférable d'attendre. Ne soyez pas pressé. Ne soyez pas pressé à vouloir remplacer celui qui vous a déçu. Parce que c'est ça, au fait. Vous allez avoir tendance à vouloir remplacer, à vouloir prendre quelqu'un de meilleur. Vous allez même, des fois, avoir tendance à dire « Je veux démontrer à celui qui m'a déçu » que je peux trouver mieux que lui. Et ça, c'est encore grave. Ça, c'est encore grave parce que vous allez vraiment vous focaliser, on l'a dit, je crois, avant-hier, vous allez vous focaliser sur les défauts de votre ex pour trouver meilleur. Alors que c'est un grand problème. Vous ne pouvez pas trouver mieux en vous focalisant sur les défauts de l'autre. Ça, vous allez tomber forcément dans un très grand trou. Alors, il est préférable d'attendre. Et c'est très difficile d'attendre. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de consolation. C'est ça. Généralement, comme on a besoin de consolation, on a besoin de parler, on a besoin que quelqu'un nous dise « Vous avez raison, c'est toi la victime. » Et donc, on veut que la personne
le disent, on se jette dans les bras de n'importe qui. Mmh. Voilà le problème, parce qu'on a de besoins. Quand on est déçu, on a des besoins. Et quel est le plus grand besoin? Être consolé, évidemment. Mmh. Et ça, ce sont des éléments qui nous poussent à aller vite. Mais aller vite va t'amener vers un mauvais choix. Tu ne pourras pas faire un bon choix. Mmh. Comment faire un bon choix alors que tu es pressé? Vous savez, même lorsque vous devez vous habiller rapidement pour sortir, c'est généralement lorsqu'on s'habille trop rapidement, lorsqu'on est pressé, qu'on oublie de bien s'habiller. Mmh. On se rend compte dans sa voiture qu'on a porté deux chaussettes de deux couleurs différentes. Pourquoi? Parce qu'on était pressé. On se rend compte qu'on a porté une cravate qui n'a rien à voir avec les couleurs qu'on a de la veste ou de la chemise. Parfois, quand on a des problèmes aussi. Oui, on se rend compte qu'on n'a pas bien peigné les cheveux. On se rend compte qu'on a pris un sac qui n'a rien à voir avec les chaussures ou encore avec la robe. Au fait, quand on est trop pressé, on embrasse toujours très mal. Il est donc préférable d'être calme, d'être posé. D'attendre avant de faire le choix. Ici, il s'agit ce soir de faire le bon choix après la déception. Il faut attendre. C'est la première chose à faire. Il faut attendre. Vous avez besoin de consolation, parlez à Dieu. Vous avez besoin de consolation, vous pouvez peut-être voir aussi votre pasteur ou votre père spirituel. Ça peut vous aider, mais ne soyez pas pressé de vous jeter dans le bras de quelqu'un qui pourra peut-être même vous jetez à son tour parce que vous étiez pressé. Vous n'avez pas bien jugé les choses à cause de la soif de la consolation. Que l'Éternel nous aide. Amen, amen. Que Dieu vraiment nous fasse grâce. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci à vous qui êtes là. Continuons à partager, s'il vous plaît. Josué, Kilandani, Bank Bank, Pauline Kasanganaï. Il y a une question. Continuez à partager. Il y a une question? Ok, on va prendre la question. C'est laquelle? Tu l'as vu? Attendre, oui. Mais quel est le temps idéal de l'attente? Puisqu'on peut faire passer la bonne personne, se disant j'attends encore. Très bonne question. Magnifique question. Merci beaucoup à Pascaline. C'est une très très bonne question. Déjà, les temps, combien de temps est-ce qu'il faut attendre? Déjà, ça, c'est la première partie de la question. C'est délicat parce que c'est au cas par cas. Selon vous, vous considérez qu'une déception amoureuse peut prendre combien de temps? C'est-à-dire, ses conséquences, ses effets néfastes peuvent prendre combien de temps? Généralement, je pense, après une année, on peut s'en passer. Ça peut passer après une année. Donc, il faut créer un temps creux d'au moins une année. Il y en a qui font juste 2 mois, 3 mois, 6 mois et ils veulent s'engager. C'est bien, mais vous risquez de commettre une grosse erreur parce que votre jugement est altéré. Tout dépend aussi du niveau de la déception. Il y a aussi déception et déception. Exactement. Il y a déception et déception. Vous étiez arrivé, c'est pourquoi il est pas possible de répondre directement de manière crue, stricte, paf, non. Parce qu'il y a aussi déception et déception. Vous avez fait combien de temps ensemble? Jusqu'à quel point vous croyez en cette relation? À quel point vous aimiez la personne? Quelqu'un d'autre peut te quitter, tu dis, ah bon, débarras. Bah oui. On appelle ça aussi déception amoureuse, mais en fait, toi, tu es content. Oui. Tu es contente que la personne soit partie. Exactement. C'est une personne, tu te posais la question, tu avais déjà des doutes, comment me séparer de lui? Toute ma famille ne l'aime pas, on ne le trouve pas beau, on ne le trouve pas bien. Et puis c'est un têtu, il n'écoute pas, c'est un orgueilleux. Mais comment je vais faire pour me débarrasser de cette personne? Il ne m'a fait aucun mal. Mais je n'apprécie plus. Je n'apprécie pas. Je n'aimerais pas, en tout cas, aller jusqu'au bout et me marier avec cette personne. Et la personne vient vous dire, je crois que ce n'est pas la volonté de Dieu, il faut qu'on se sépare et tout ça. Dans votre cœur, qu'est-ce que vous dites? Vous vous dites, bon débarras. Vous voyez? Donc, les déceptions amoureuses, c'est à plusieurs degrés. Il y a des gens aussi qui ont déjà, je connais par exemple, un homme, il m'a même appelé aujourd'hui, un serviteur de Dieu. Pour avoir déjà connu des déceptions amoureuses, je comprends qu'il ne souffre pas beaucoup. Parce que la femme est venue lui dire, la fiancée, on m'a raconté ça sur toi, alors je préfère partir. Il lui dit, mais tu peux vérifier, ce ne sont pas des vraies relations, et ce ne sont pas des vraies informations. Ce qu'on t'a dit n'est pas vrai. Non, je préfère partir, je ne suis pas sûr, et tout ça. Bon, je te donne 20 jours pour réfléchir, et puis j'attends.
Je comprends que cette personne ne souffrira pas beaucoup. Bien qu'il aimait la femme et qu'il voulait épouser la femme, je comprends qu'il ne souffrira pas beaucoup. Pourquoi? Parce que c'est un peu quelqu'un qui sait déjà se protéger. Parce que quelqu'un qui a été déçu plusieurs fois se protège toujours. Quand il se lance dans une relation, il ne va pas avec tout le cœur. Il donne toujours la moitié du cœur. il se protège. Donc je comprends qu'il est possible et probable qu'il ne souffre pas beaucoup. Vous voyez? Donc, maintenant, quand cette relation va s'arrêter, ne croyez pas qu'il va trop souffrir. Parce que déjà, quand il me parle, il me dit, bon, daddy, mais déjà, une personne qui me dit ça, qui a essayé d'arrêter deux fois, parce qu'il a entendu des rumeurs, c'est pas une personne sûre, c'est une personne qui peut me quitter à tout moment. M'abandonner. Hein? Voilà, m'abandonner, c'est les mots, parce qu'il dit, à tout moment. Donc, il peut me jeter. Donc, tu vois, c'est déjà quelqu'un qui protège son cœur. Et pourtant, ça pouvait être une forte déception pour quelqu'un qui n'a jamais eu une relation de cette envergure et qui n'a jamais peut-être aimé une femme jusqu'à ce niveau-là. C'est la première fois qu'il aime. Alors, il aime vraiment avec tout son cœur. Tu le quittes, il est déchiré. Et puis, il y a aussi la capacité d'encaisser les coups. Nous n'avons pas la même capacité d'encaissement de coups. Il y en a qui encaissent, il y en a d'autres qui sont ébranlés, qui sont déchiquetés par les coups. Les coups, en tout cas, les réduit en miettes. Donc déjà, à partir de là, Pascaline, il faut comprendre que la durée ne sera pas la même. La durée ne sera pas la même. Mais je peux, en général, en moyenne, dire une année. Laisser passer d'abord une année. Bon, je prends la deuxième partie de ta question. On risque de laisser passer la bonne personne. Mais la bonne personne, là, s'il t'aime, si elle t'aime, ne passe pas. Quelle attente? Dis-lui, laisse-moi un peu le temps. Laisse-moi un peu le temps. J'ai envie de souffler. J'ai envie de respirer. J'ai envie de remettre toutes mes idées en place. Tu peux, même si tu sens que ça peut être une bonne personne, tu peux même lui raconter l'histoire. Et puis lui dire, mais laisse-moi un peu. Laisse-moi un peu du temps, que je passe un peu de l'air, que l'air frais passe, et puis on verra. On verra si Dieu a un projet pour nous deux. Mais dans l'entretemps, vous pouvez aller prier. Moi aussi, j'ai prié. On verra si Dieu est dans cette affaire. Voilà. Si c'est une bonne personne, une année, c'est pas beaucoup. La bonne personne va attendre. Moi, je veux seulement répondre par une question, Pascaline. Oui. Alors, moi, je vais poser la question comme une vraie Congolaise. Hein. Bon, nous avons des minerais, nous avons tellement de richesses, nous sommes très riches par la grâce de Dieu. Le Congo est un sol très riche. Alors, tu découvres que dans une portion de terre, il y a du coltan, il y a de l'or, il y a des diamants. Et le propriétaire te dit, je n'ai aucun problème. Tu pourras creuser et prendre tout ce que tu veux, mais tu dois attendre 2 jours. Pascaline, tu attends ou tu pars? Tu te dis, attends, le propriétaire me donne 2 jours. C'est trop. Même, un maman, voyage, même si tu te donnes un mois. Je préfère. Il y a les diamants. Voilà. Et alors? Tu pars ou tu attends? Moi, je crois au fait, bon, je ne sais pas pour toi, mais moi, je dormirai là. Moi, je dormirai carrément là. Parce que je veux me dire, quelqu'un d'autre peut venir. Ouais. Ou le propriétaire peut se mettre à creuser à mon absence. Je dormirai carrément là. Quand tu découvres un gisement, quand tu découvres une bénédiction, tu ne la laisses pas partir. C'est comme ça que j'ai généralement aussi dit aux dames, aux jeunes sœurs. Quand un homme, l'homme qui t'aime vraiment pour une belle histoire, l'homme qui t'aime parce qu'il a découvert vraiment que c'est toi et que tu es la personne pour lui. Tu es une perle. Il ne part pas parce que tu lui donnes 2 mois. Et comme on l'a dit, même si tu lui donnais une année, il ne part pas. Parce qu'il a découvert que tu es vraiment la personne qu'il faut. C'est pas quelqu'un qui vient comme ça, qui te raconte des choses et puis qui tourne le dos et qui s'en va. Une personne comme ça, mais il faut se poser des questions. Elle voulait vraiment une histoire durable. Est-ce que cette personne te voulait pour la vie? Ou c'est quelqu'un qui voulait simplement une belle histoire et puis voilà. Parce que si
C'est une personne qui veut bâtir une histoire et qui réalise que tu es une bonne personne. Elle ne part pas. Elle est patiente. Celui qui a trouvé le bonheur est patient. Il est très patient. Parce qu'il sait que de toutes les manières, le bonheur a déjà été trouvé. Il n'y a plus à chercher. Et donc, celui qui a trouvé est patient. Donc, moi, je crois que la bonne personne, déjà, je crois que c'est un élément qu'il faut ajouter. La bonne personne pour votre vie ne part pas comme ça. La bonne personne pour votre vie, quand elle vous a trouvé, elle ne part pas parce que vous lui dites, je dois faire d'abord, par exemple, des études, attends 2 ans, et puis elle part. La bonne personne attend. Que Jésus nous aide. Que Dieu soit loué, que Dieu soit loué. J'espère que la connexion est bonne chez vous. Si la connexion est bonne, faites-nous signe, dites-nous que c'est bon, la connexion est bonne. J'espère que ça ne bug pas chez vous. Faites-nous toujours signe, c'est très important. Alors, la deuxième chose qu'il faut faire, la première chose, c'est ne pas être pressé. La deuxième chose, c'est s'engager avec quelqu'un qui veut aller droit vers le but. Donc, vous n'avez plus le temps à vouloir vous amouracher, faire je ne sais pas quoi. Oh non, je flirte avec quelqu'un. Non. Attention, ça, attention. C'est pour les adolescents. Attention, vous êtes un cœur fragile. Vous êtes un cœur fragile. Si vous vous mettez avec quelqu'un qui n'a pas des idées fixes, qui ne sait pas exactement ce qu'il veut, vous, à cause du tourbillon que vous avez dans votre cœur, vous allez vous jeter dans ses bras. Et il va encore vous décevoir. Exactement. Donc, il faut s'engager avec quelqu'un qui sait ce qu'il veut. Exactement. C'est les gens de personnes qui viennent te dire, moi, je vais t'épouser. Voilà. Pas les gens de personnes qui viennent te dire des mots flous, ambigus, du genre, faisons l'histoire. C'est quoi, faisons l'histoire? Tout ça, l'histoire. Observons-nous. Observons-nous. Délai indéterminé. Observons-nous par rapport à quoi? Délai indéterminé. Aujourd'hui, il y a même des gens, un garçon de 40 ans, quelqu'un qui a 40 ans, qui vient te dire, bon, je pense que tu peux devenir ma copine. Une histoire de copinage. 40 ans? À 40 ans. Et toi, tu as 35 ans, tu dis, c'est mon copain. Nous, quand on était des enfants, il y a quelques années, les copains, c'était, copinage, c'était pour les histoires des gens qui étaient à l'école secondaire. Même CO. Parce que nous, on a commencé à aimer les filles, on était déjà en première CO. Ouais, c'est ça, copain, copine. Ce n'était pas des histoires à l'université. Ça m'a étonné quand je suis arrivé à l'université, à l'Unikin. Je vois des gens qui disent, j'entends une fille qui dit, mon copain. J'ai dit, comment une fille qui a 22 ans peut dire mon copain? Une fille qui a 19 ans, 20 ans peut dire mon copain. Comment tu as des copains? Déjà, à 30 ans, il faut bâtir une histoire. Ah, mais aujourd'hui, c'est devenu normal que les filles de 20 ans, 22 ans parlent de copains. Au début, là, moi, ça m'étonnait beaucoup. Vous voyez? En fin des années 90, là, ça nous étonnait. Parce que c'était les histoires des enfants. Mais aujourd'hui, pire, ça ne fait que s'aggraver. Il y a Pascaline d'ailleurs qui dit, qui c'est d'autres des eaux, vivons d'abord. Le reste, c'est Dieu qui sait. Non. C'est incroyable. Bah, des menteurs. Il y a des hommes qui parlent des tricheurs. Ça. Oh, incroyable. Il veut t'exploiter. Il veut exploiter ton corps. Effectivement. Parce qu'on vous dit, vivons là. Vous faites tout ce que les mariés font. Oh là là. Et vous consommez. En fait, en réalité, devant Dieu, vous êtes mariés parce que vous êtes une seule chair. Mais le problème, c'est que vous êtes une seule chair à combien? Dans le péché. Une seule chair avec lui. Et lui aussi a d'autres copines. D'où il vient? Une seule chair, une seule chair. Vous êtes une seule chair à 500. Incroyable. À 500. Même quand vous montez sur les lits là, pour mourir, parce que vous dites, vous ne vivez pas, vous mourrez ensemble. Quand vous montez sur les lits pour mourir ensemble là, vous n'êtes pas à deux. Voilà pourquoi vous allez même casser les lits un autre jour. Vous êtes nombreux là, vous pèsez. Spirituellement, vous êtes nombreux. Oh Lord, et puis, il y a plusieurs types d'anges des ténèbres qui viennent vous visiter pendant que vous êtes là. Parce qu'il y a trop de fardeaux spirituels de plusieurs personnes qui sont en vous deux. Et vous partagez tous ces bagages spirituels là. Et des anges des ténèbres vous visitent, vous passez de très mauvais moments. Quand vous pensez avoir passé des bons moments, vous pensez des très mauvais moments qui vont détruire votre vie, qui vont amener de la poisse, hein, de la malédiction dans votre vie, dans votre histoire. Cette personne pourra vous quitter et vous allez dire, ah, cette personne a été vraiment très importante pour moi parce qu'il est intervenu dans ma vie à la période où j'avais vraiment besoin de consolation. Bien qu'il soit parti, mais c'est quand même quelqu'un qui m'a consolé à un moment crucial de ma vie. Non, il t'a consolé, mais il t'a laissé beaucoup de démons. Il t'a laissé beaucoup de problèmes. Il t'a laissé un envoûtement qui ne te quittera pas.
jusqu'au jour où tu vas les découvrir et où on va prier pour toi. Il y a une question. Oui, c'est quoi la question? Mais souvent, on peut avoir cette personne qui peut savoir ce qu'il veut, mais on découvre après qu'il voulait quelque chose d'autre. Mais souvent, on peut avoir cette personne qui peut savoir ce qu'il veut, mais... C'est la question que j'ai lue. Oui. Mais on découvre après qu'il voulait quelque chose d'autre. J'essaie de comprendre la question. Non, c'est-à-dire que là, on rencontre la personne qui vous dit, voilà, moi c'est tout droit au but, je veux t'épouser. Mais pendant qu'on est en train de faire route ensemble, on se rend compte que le gars, il veut quelque chose d'autre. Hein. Le gars, il ne veut pas aller tout droit au but. Il demande beaucoup d'autres choses. Ou alors il a découvert quelque chose d'autre. Parce qu'il y a plusieurs possibilités. Il n'est plus sûr. Non, ou peut-être qu'on découvre que le gars, il est porté sur votre corps, le gars, il est... Mais il avait dit qu'il était venu pour le mariage. Exactement. Non, mais ça, c'est un mensonge, ça, c'est un escroc. C'est ça qu'on appelle en droit escroquerie. C'est un escroc. C'est exactement ce qu'on appelle escroquerie, même si en droit, en amour, c'est pas qualifié d'escroquerie. Mais je parle de l'intention que la personne a. Mm-hmm. J'appelle ça de l'escroquerie parce que... Et le deal, c'était sur autre chose. Oui. Il a changé de deal. Et ça, souvent, les filles, écoutez-moi, ça, c'est souvent quand vous donnez votre corps. Vous savez, un homme qui n'a pas encore vu votre corps, il a un autre respect pour vous. Allez-y encore. J'ai dit, un homme qui n'a pas encore vu votre corps a un autre respect pour vous. Trois fois, amen. Je peux répéter trois fois, si ah, tu veux. Ah oui, oui, oui. Un homme qui n'a pas encore vu votre corps a un autre respect pour vous. Amen. Il a une autre considération pour vous. Est-ce que les femmes le savent? Les femmes ne le savent pas. Voilà pourquoi il est important que ce soit toi qui le dise. Vous savez, c'est la seule, excusez-moi de le dire comme ça, c'est la seule monnaie d'échange que vous avez. Ah, ça c'est ça ce que vous n'avez pas compris. Ah, ça c'est fort. Quand vous donnez, c'est fini, vous n'avez plus rien. Ça c'est fort. Oh là là, oui. Ça c'est fort. C'est tout ce que vous avez. On est dans un monde mauvais. Quand vous donnez, c'est fini. Oh là là. Tout ce qui reste là maintenant, c'est s'il y avait vraiment un grand amour et un vrai amour, il reste. Sinon, quand vous avez donné, c'est fini. Vous n'avez plus rien. Mm-hmm. Vous n'avez plus rien d'autre. Maintenant, si la personne vous aime, écoutez, ne vous fiez pas à votre intelligence, à vos valeurs, aux qualités que vous avez. Un homme, quand il veut s'amuser, quand il veut vous escroquer d'amour, oui. Il s'en fout de votre intelligence. Parce que d'abord, c'est comme c'est un escroc. Il ne voit même pas les valeurs, les bonnes choses que vous avez. Il ne voit pas ça. Lui, il est venu pour votre corps. C'est pour votre corps qu'il est venu. Donc, il ne voit pas, c'est un escroc en amour. Donc, il ne voit pas le reste. Donc, ne lui faites pas confiance en vous disant que j'ai quand même des valeurs, je suis quand même ceci, je n'ai pas que mon corps, je n'ai pas que le sexe. Oh, maman, mais c'est ceci, c'est ce que lui était venu chercher. C'est tout ce que vous avez. Parce que c'est tout ce que lui cherche. Donc, évitez un peu, préservez-vous, évitez de donner quelque chose qui vous descend de très haut. De très haut. Quelqu'un d'autre va dire, une autre fille peut réfléchir autrement et dire, bon, peut-être qu'il faut que je lui donne comme ça. Ou bien je sais s'il va rester ou s'il va partir. Que baron, donc, comme ça, et que les choses se décident vite. Il y en a d'autres quoi, qui pensent, comme maman a dit, que si je lui donne, je vais les retenir. Et ça, ce sont des conseils des païens, des voyous païens et des gens moins sages qui manquent la sagesse divine. Quand toi, tu penses que en donnant le corps à quelqu'un, il va rester, c'est une grosse bêtise. Mm-hmm. C'est une grosse bêtise. Les prostituées aussi ont ce corps-là. Il ne faut pas croire que c'est ce corps-là qui va retenir un homme. Les hommes, quand ils passent chez les prostituées, ils ne reviennent pas forcément. Exactly. Ils ne reviennent pas forcément. Donc, donner le corps, ça ne veut pas dire, ce n'est aucune garantie qu'il va rester. Tu sais combien de corps il a connu avant de venir chez toi? Oh là 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 là. Mais ça c'est fort. Voilà. Voilà. Donc, il faut s'engager à quelqu'un qui veut aller droit, tout droit au but. Oui, pasteur. Or, il y avait tellement de belles choses qui ont été dites que je n'ai même pas envie de parler. Parce que des choses très profondes, surtout pour aider la femme, et c'est magnifique. Il faut aller avec un homme qui sait ce qu'il veut. Un homme qui sait ce qu'il veut, il vient dans votre vie. Il vous dit ce qu'il désire. C'est quoi? Le mariage. Parce que c'est ça, au fait. J'étais en train de le dire, je crois, dans l'une de nos nuits. J'ai dit que, vous savez, quand on a 15 ans, on a des rêves. Quand on a 20 ans, on a des rêves. On attend l'homme aux fossettes. Mais quand on a déjà 28, on commence à monter.
Il y a des choses qu'on a, on ne tolère pas d'écouter. Que quelqu'un me dise, c'est intolérable. Dis-le d'abord et je vais t'expliquer. C'est intolérable. C'est intolérable. Il y a des choses qu'une femme, déjà à partir de 28 ans jusqu'au-dessus, tu ne peux pas tolérer d'écouter avec tes oreilles. Même pas de donner 2 minutes. C'est-à-dire, c'est une personne qui vient te raconter de rêveries. Une personne qui vient te dire des choses qui devraient bercer une fillette de 17 ans, de 15 ans. Toi, tu veux bâtir une vie. Tu veux bâtir une histoire. Tu ne sais pas combien d'années tu as à vivre sur Terre. C'est le secret de Dieu. Alors, comment vis-tu comme si tu avais la gérance de ton temps? Oh, je m'adresse à toi, ma sœur. Comment? Comment tu vis comme si tu avais le timing de ton existence? Seul Dieu sait combien de temps tu fais sur Terre. Donc, à un certain âge, quand un homme vient, son langage doit être clair. Il ne doit pas balbutier. Son langage doit être très clair. Il veut quoi? Et quand il te parle de ce qu'il veut, ma sœur, nous ne nous limitons pas à dire qu'il te parle de ce qu'il veut. Mais quand tu juges un peu le tout, tu dis d'accord, je peux faire route avec lui. Mais qui est du concret? Il dit qu'il veut te épouser. Mais tu constates que lui dort tout le temps et tous les jours, n'importe comment. Il ne travaille pas pour la réalisation du projet. Il ne s'y met pas. Il est tout le temps dans les jupes de sa mère. Mais il faut savoir. Toi, on ne te dit pas que tu seras simplement là à dire « J'attends celui qui me dira qu'il va m'épouser et puis je me jette avec lui dans l'eau. » Non. Tu vas observer. Si ça te va, tu avances. Mais dans l'avancement, tu observes. Est-ce qu'il y a du concret? Est-ce qu'il est en train de faire ce qu'il t'a dit? Est-ce que vous êtes en train d'aller vers la réalisation? Il n'y a pas de réalisation. 3 mois, il n'y a rien. 6 mois, il n'y a rien. 1 année, ça c'est encore grave, tu es encore en train d'attendre, il n'y a rien. Mais c'est quoi en fait? Il veut te marier, il veut t'épouser en 2035 ou il veut t'épouser quand? Parce que je ne comprends pas. Quelqu'un qui dit qu'il veut t'épouser, il dit que lui c'est du sérieux, lui il n'a pas le temps à perdre, mais après 6 mois, il n'y a rien du tout. Il n'y a rien du tout, rien de concret. Il y a donc un problème. Et donc, comme on le disait, non seulement après une déception amoureuse, mais à un certain âge, il y a des choses que la femme doit se refuser d'écouter. Il y a des discours que la femme doit se refuser d'écouter. Des fois, je suis très surprise par certaines de mes filles. Tu vas te mettre à écouter quelqu'un qui te raconte des bobards, mais tu es là et tu dis, je suis en train d'observer. Tu observes quoi? C'est plutôt les plaisirs qu'elle a dans les oreilles. Elle a observé. Les plaisirs, les oreilles. Il y a certaines choses qu'une femme, je répète cette phrase, et si tu peux la garder ou l'écrire même dans ton téléphone, ça serait bien. Il y a des choses, il y a des discours qu'une femme d'un certain âge ne peut pas se permettre d'écouter. Pourquoi tu ne te permets pas? Tu as une vie à bâtir. Tu n'es pas là en train de jouer avec ta vie, surtout que tu ne maîtrises pas combien d'années tu feras sur Terre. Tu comptes faire des enfants. Tu ne sais pas combien d'années Dieu te donnera à vivre avec ses enfants. Si tu auras le temps d'éduquer tes enfants, comment tu prends plaisir à écouter quelqu'un qui te raconte des choses, à dormir debout, et tu t'engages avec, et vous faites 1 année, il n'y a rien du tout de concret. Oh, que l'Éternel nous fasse grâce. Alléluia. Et que Dieu t'aide, que ça ne soit pas ton cas, à partir du moment où je parle au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, que Dieu vous bénisse. Et à la sœur C.M. Wang, je crois, si j'ai bien... Si je n'ai pas bien prononcé, réagissez. Elle dit qu'elle vivait au Canada et elle était en amour avec quelqu'un qui voulait lui donner des bébés. C'est-à-dire quoi? Mais on sait tous comment on fait des bébés. C'est pourquoi quand vous êtes en relation, surtout quand vous êtes enfant de Dieu, vous qui nous suivez, nous supposons que vous êtes enfant de Dieu. Bien sûr. Comment vous pouvez vous retrouver en train de faire des bébés? Non, ça veut dire quoi? Moi, je n'ai pas d'abord. Ça veut dire, vous voulez la mettre enceinte? Pourquoi? L'engrosser, c'est le mot que j'évite. Ils vivaient ensemble? Oui, la personne l'a aimé, tout ça, il croyait à la personne, mais la personne voulait l'engrosser. Pourquoi? Pour avoir des papiers. Pour que qui ait des papiers? Pour que lui, l'homme, ait des papiers. Il n'avait pas de papiers. Je veux récapituler, d'accord? Ouais. Parce que là, tu me perds. D'accord. Une femme qui vit au Canada et elle sort avec un monsieur. Oui. Et le monsieur n'est pas canadien. Là.
Il est là au Canada, mais il n'a pas le papier. Il n'a pas les documents. Voilà. Et le monsieur demande à la fille de l'ensemencer pour. Bon, je crois qu'il n'a pas, il n'a pas demandé. Il n'a pas demandé, mais c'est, l'allure, c'était celle-là. Pour qu'il ait, lui, les documents. Ah, ça veut dire que le but même de ces relations sexuelles, de ces coïts-là, c'était les bébés. Les bébés la ou soeur les documents compris. Hein? Le document ou le. Oui, les bébés pour les documents. Le doc, voilà. Ouais. Bébé pour les documents. Oh mon Dieu. Il y a aussi des bébés pour les documents. Oui, il y a des. Oh mon Dieu. Que Dieu nous délivre du mal. Amen. Incroyable. Amen. Donc, vous voyez, déjà, vous tous qui nous suivez, comprenez une chose. Quand on veut marcher avec Dieu, il ne faut pas seulement suivre nos prédications. Vous voyez tel, ah, vous suivez tel. Il faut vivre une vraie vie des enfants de Dieu. Ne dites pas, non, les réalités de l'Europe, les réalités de l'Amérique, les réalités de. Il n'y a pas question de réalité. La parole, c'est la parole. La parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. Tu ne peux pas avoir une relation ambiguë avec quelqu'un. Parce que quand tu couches avec quelqu'un, vous êtes déjà une seule chair. C'est ce que la Bible dit. Mais c'est le genre de discours aussi que je dis, qu'une femme ne doit pas écouter à un certain âge. Oui. Comment un homme peut oser te dire, ou même que tu sens qu'il est en train de penser à des choses comme ça. Oui. Comment tu peux laisser qu'on t'exploite jusqu'à ce point-là? Mmh. Tu n'es pas un champ de maïs. Mmh. Qu'une femme, s'il y a une femme qui est en direct, que cette femme qui va recevoir une bénédiction particulière me dise, je ne suis pas un champ de maïs. Yes. Je veux que ce soit les femmes qui le disent. Je ne suis pas un champ de maïs. Mmh. Tu n'es pas un champ de maïs. Mmh. On ne vient pas t'exploiter comme on veut. On ne vient pas semer, cueillir comme on veut. Ah, elle précise, C.M. Wang précise, et que, enfin, il a même donné le nom du garçon. Il ne vivait pas dans le même pays qu'elle. Donc, elle était au Canada, l'homme était en France. Mmh. Mais l'homme voulait justement avoir un bébé avec elle, comme ça. Allez. C'est incroyable. Tu n'es pas un champ de maïs. Ce sont des genres de choses. Tu sais, quelqu'un comme ça, tu peux même. Dieu ne serait même pas contre que tu le bloques. Que tu le bloques partout. Parce que c'est une personne, premièrement, qui n'a pas de respect pour toi. Deuxièmement, elle n'a pas de respect pour Dieu. Mmh. Troisièmement, elle n'a même pas de respect pour l'être humain en général. Mmh. On ne peut pas utiliser un être humain. Un discours qu'une femme d'un certain âge doit refuser d'écouter. Okay. Vous devez bâtir votre histoire. D'ailleurs, nous décrétons au nom de Jésus que cette Amen. Année, ça doit être ton année de bâtissement. Yes. Bâti in the name of Jesus. Mm-hmm. Bâti par l'autorité de Jésus. Amen. Bâti, construit avec un fondement solide. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Adonai. Merci pour ces décrets. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous allons passer au troisième point. Regardez aux valeurs spirituelles et aux valeurs morales de la personne à aimer. Vous voulez maintenant, vous voulez faire un bon choix. Vous avez attendu pendant une année. Votre chagrin semble avoir disparu. Votre chagrin est passé apparemment. Vous voulez maintenant vous engager. Ayez tout votre discernement avec vous et jugez, appréciez. Et nous vous donnons des éléments pour apprécier. Regardez les valeurs spirituelles de la personne. Tu viens marcher avec la personne. Quelles sont ses valeurs spirituelles? Oh, avec toutes ces années du ministère pastoral, j'ai constaté que souvent avec les filles, les garçons pas tellement, mais souvent les filles, vous avez un problème. Quand c'est le mariage, tu ne regardes plus rien. Les critères surtout spirituels, les critères chrétiens, ça ne te dit plus rien. Tu peux épouser un kimbanguiste, tu peux épouser tout le monde, un témoin de Jéhovah, tout le monde. Mais tout le monde n'est pas épousé, vous n'avez pas la même doctrine, vous n'avez pas la même foi. Toi, ton Dieu, il est au ciel. Lui, son Dieu, il est en camba. Comment vous n'avez pas le même Dieu? Je ne critique pas la religion des autres. Mais je te parle à toi qui crois. De ta foi. Je te parle de ta foi. Vous n'avez pas la même foi. Vous n'avez pas la même foi. En réalité, même une musulmane qui épouse un chrétien aura des problèmes. Oui. Il s'agit de ta foi. Quelle foi tu as? Oui. Il s'agit ici de ta foi. Mmh. Vous n'avez pas la même foi. Vous ne confessez pas les mêmes choses. Vous ne voyez pas le monde de la même manière. Donc, il faut regarder aux valeurs spirituelles. Et puis, les valeurs spirituelles, ce n'est pas seulement la foi. La foi, c'est la base. Mais maintenant, il y a tout ce qu'il y a autour de la foi.
les valeurs, la manière de considérer la vie humaine, la manière de considérer ceci et cela, quel que soit le problème. C'est comme c'est l'actualité ici à Kinshasa, des gens qui sont allés prier au stade, soi-disant ils sont allés prier, mais comme il y a un conflit de leadership dans la communauté islamique ici au Congo, ils se sont mis à caillasser les véhicules de la police jusqu'à tuer un policier. C'est-à-dire que pour ces gens-là, la vie humaine n'a pas de valeur. Alors vous n'avez pas les mêmes valeurs. Nous, on nous prêche l'amour. On nous prêche l'amour. Tu ne peux pas faire du mal à ton prochain. Quand tu épouses quelqu'un qui est prêt à ramasser une pierre et à tuer quelqu'un, simplement parce qu'il veut soutenir un leader religieux, alors là, c'est très grave. Voyez-vous? C'est très grave. Donc, il faut regarder les valeurs qu'il y a tout autour de la foi. Et puis, les valeurs morales. Regardez aussi les valeurs morales de la personne que vous voulez aimer. Dans les valeurs morales, spirituelles, tout ça, même les valeurs qui proviennent de l'éducation au niveau de la famille, j'appelle tout ça les valeurs intrinsèques. Les valeurs intrinsèques. Et j'en ai sélectionné quelques-unes, pasteur, l'éducation familiale. Très important. D'où sort cette personne que vous voulez épouser? Regardez bien. Cette personne sort de quelle famille? C'est très important. Pour ceux qui sont des fois dans des pays étrangers et que la famille n'est pas là, comment faire? Mais quand tu approches la personne, tu essaies de comprendre un peu qui sont ses frères, ses sœurs. Tu essaies un peu d'écouter quand il parle au téléphone avec sa famille. Mm-hmm. Comment ça se passe? Est-ce qu'il gronde sa mère? Quand il parle avec sa mère au téléphone, est-ce qu'il gronde sa mère? À un certain moment de la relation, tu peux me demander, est-ce que je peux... Vous êtes encore des amis. Tu lui fais attendre. Est-ce que je peux saluer ta maman? Tu vois comment il va te présenter à sa maman? Comment tu vas saluer sa maman? Tu vois un peu. Tu restes, il y a un peu de mensonge dans leur façon de parler. Parce que là, tu es avec cette personne-là à l'étranger. Tu regardes si ce qu'il dit à ses frères et à sa famille, c'est des mensonges ou c'est la vérité. La manière dont il te présente tout ça, comment il cause avec ses frères. Parce que les valeurs familiales sont très importantes. Tu ne dois pas te jeter entre les mains d'un escroc, parce que ça va te créer encore des problèmes, beaucoup de problèmes. La personne doit être sûre. Donc ton jugement ta capacité de bien juger doit être en bon état. Mm-hmm. Ton discernement, ta capacité de discerner doit être vraiment au top. C'est comme des lunettes que tu as portées. Il faut que tes loupes soient vraiment en bon état pour bien regarder. Mm-hmm. Donc il y a l'éducation familiale. Moi, j'ai connu des déceptions, mais quand j'ai rencontré cette femme, ce sont les choses que j'ai regardées. J'ai regardé. Parce que quand la personne a des bonnes valeurs, des valeurs chrétiennes, des bonnes valeurs qu'elle a reçues de sa famille, ça vous rassure et ça vous facilite la tâche dans beaucoup de choses. Tout le monde a des défauts, il y aura quelques défauts, mais déjà les basiques, vous voyez, les basiques sont garanties. Alors, est-ce que je cite le deuxième ou bien tu as quelque chose à dire par rapport à l'éducation familiale? Non, j'ai dit que c'est très important, comme tu l'as dit. D'accord. L'environnement dans lequel la personne a grandi, ses amis, les quartiers, le genre de personnes qu'il fréquente ou qu'elle fréquente, c'est très important. Ça vous fait une idée de ce qu'est la personne. La personne, exactement. Parce que la personne peut cacher son jeu, mais regarde un peu ses amis. Son meilleur ami. Regarde son meilleur ami. C'est son miroir, son meilleur ami. Voilà, c'est son miroir, son meilleur ami. Oui, oui. La personne qui te dit, ça c'est vraiment mon ami. Voilà. C'est l'autre qui parle de lui. Lui peut-être cache un peu, il te dit pas que c'est mon ami. Mm-hmm. Mais son ami te dit, ça c'est vraiment mon ami. Regarde un peu quel genre de personne il est. N'oublie pas, ce qui s'assemble, se ressemble. Mm-hmm. Et aussi, ce qui se ressemble, s'assemble. Donc, il faut bien regarder. Cet environnement-là, tu as besoin de vraiment regarder avec la loupe pour exercer ton discernement, exercer ton jugement. Ne te jette pas, les filles aiment se jeter. Toujours. Vous savez, l'amour, là, les mariages, c'est pas seulement une affaire de cœur, c'est aussi une affaire de tête. Et je te dis la vérité, quand tu vas commencer à mettre la tête, c'est-à-dire le raisonnement, la réflexion, hein, pas seulement les émotions avec le cœur, tu vas te rendre compte que même ton cœur, tu ne vas pas les donner tout de suite en entier. C'est seulement quand tu seras tellement convaincu, quand tu auras testé, fait tous tes tests, c'est en ce moment-là que tu pourras donner tout ton cœur. C'est important d'exercer la tête, d'utiliser la tête pour juger.
Donc regarde un peu son environnement. Regarde les gens de causerie qu'il a avec ces personnes-là. Regarde comment ça se passe. Troisième chose, l'environnement ecclésiastique. Avant que tu évolues, oui. Une question. Tu as vu? Non, non. Mina a eu une question. Oui. S'il vous plaît, dans les cas où la personne garde les sabbats. Et nous, non. La personne ne croit pas dans les parler en langue. Le ministère de la femme, est-ce grave? Mina, je crois comprendre de qui tu parles. Oui, je crois que tu parles des Adventistes du septième jour. Voyez-vous, je ne sais pas si c'est une coïncidence. Moi aussi, j'ai épousé une sabbatiste. J'ai épousé une sabbatiste. J'étais une sabbatiste, oui, véritable. Elle était fille de pasteur. Grandie dedans, convertie dedans et servant le Seigneur à l'intérieur. Voilà. Je connais tellement bien le sabbat, je suis née dans le bain du sabbat. Voilà. Elle peut m'enseigner là-dessus. Bien sûr. Bon, elle, peut-être que ce n'est pas le même cas, vous n'êtes pas dans la même situation. Parce que vous êtes une femme. Vous êtes une femme. Mmh. Ici, elle est une femme, donc dans cette situation, elle était femme. Mmh. Et moi, j'étais déjà serviteur et j'ai parlé avec elle. On a essayé d'aplanir nos différences. Mmh. On a essayé de les aplanir avant le mariage. Exactement. Voilà ce que j'allais dire. Avant le mariage. Ces choses-là, il faut les aplanir avant. Avant le mariage. Si vous n'êtes pas d'accord avec ça, vous n'avancez pas. Voilà. Nous, on a essayé d'aplanir ça avant le mariage. Mais j'aimerais te dire quelque chose. Ce n'est pas une personne nocive. C'est-à-dire que si c'est une bonne personne et que vous l'épousez, le fait qu'il ne croit pas en parler la langue, ça ne vous empêche pas de parler en langue. Exactement. Ça ne vous empêche pas de prier. Mm-hmm. En fait, la différence qu'il y a entre vous... Ce sont des éléments doctrinaux qui ne vous privent pas le ciel. Parce qu'il faut se tenir compte de ça. Quand on parle de la foi ici, donc il faut voir aussi, comme on l'a dit avant le mariage, de vous entendre avant, ces éléments doctrinaux ne vous privent pas du ciel. Si ça ne touche pas à votre ciel, et ben ce sont des choses qui peuvent se discuter, ok? Parce que avant le mariage, il y a aussi des choses qui ne peuvent pas se discuter sur la doctrine. C'est-à-dire, ce sont des éléments qui touchent à votre ciel. Ça touche à l'essentiel de votre foi. Là, on ne discute même pas dessus. On tourne le talon et on part. Il faut être courageuse dans la vie quand on se connaît sa destinée et quand on a le respect de sa destinée. Mais quand ce sont des éléments doctrinaux qui ne touchent pas votre ciel, vous discutez. Si vous sentez que vous ne pouvez pas accepter cela, vous ne pouvez pas tolérer cela, vous arrêtez. Mais comme l'homme de Dieu l'a dit, normalement, ce n'est pas une personne nocive. C'est pas une personne nocive, même si c'est une personne qui accorde trop d'importance au sabbat. Nous savons par rapport à la révélation, par rapport à l'esprit, que dans la Nouvelle Alliance, le sabbat n'est pas important. Ça veut dire, quand je ne dis pas du sabbat, dans le sens littéral, dans le sens du sabbat, respecter le sabbat comme chez les Juifs. Mais le sabbat, pour nous, c'est vivre dans la sanctification. Ça veut dire, il y a un jour de l'Éternel. Le jour de l'Éternel, ce n'est pas un jour physique, le samedi, mais c'est le jour que l'Éternel nous a accordé, qui est la relation que nous avons ensemble. Donc, quand quelqu'un manque une révélation comme ça, ça ne fait pas de lui une personne nocive. Vous pouvez être aussi, vous êtes tous des évangéliques, mais quelqu'un manque une révélation. Quelqu'un n'a pas accédé à une révélation. Ce n'est pas tellement un problème. La seule problème avec lui, c'est-à-dire, il n'a pas accédé à certaines révélations. Comme le parler en langue, il n'a pas été saisi par le Saint-Esprit. Il ne croit pas à cette effusion du Saint-Esprit pour parler en langue de cette manière-là. Et il y a aussi les encadreurs, ceux qui l'ont encadré dans la foi, qui lui ont fait voir ça d'un mauvais œil. Mais tout ça, ce n'est pas grave. Parce que ta question, c'est, est-ce grave? Voilà. Non, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Vous pouvez continuer à prier et vous pouvez vivre. Si c'est une bonne personne, malgré ses croyances, vous pouvez vivre ensemble jusqu'à la fin de votre vie et être en paix. Regardez plutôt si c'est une bonne personne. Voilà. C'est-à-dire, c'est une personne tolérante. Voilà. Parce que vous avez des différences au niveau de la doctrine. Parce que c'est ce qui m'a aussi sauvé, moi. Il faut le dire. Vas-y, qu'est-ce que tu veux dire? Non, ce qui m'a aussi sauvé dans cette relation que j'ai aujourd'hui avec mon mari, ça fait combien d'années au fait? Ça fait 20 ans. Alors, ce qui m'a aussi sauvé, c'est le fait que
J'ai trouvé quelqu'un de tolérant. J'ai trouvé quelqu'un de tolérant. Au début, c'était très très chaud. Quand je dis au début, c'est-à-dire avant le mariage. Heureusement pour nous que c'était avant le mariage, que c'était chaud parce qu'on devait mettre les points sur les i. Comme j'ai dit, moi, je suis né adventiste, grandi adventiste, et j'ai avalé la doctrine adventiste depuis très petite, c'est-à-dire déjà à 11 depuis ans. Depuis la naissance. Depuis, oui. Donc, à 11 ans déjà, je la maîtrisais parce qu'en tant que fille de pasteur, l'église adventiste en doctrine convenablement les enfants de pasteurs et des anciens, donc des enfants des responsables. Donc, j'ai grandi dedans et je nageais très bien dedans en maîtrisant la doctrine. Donc, au début, je n'étais évidemment pas d'accord avec beaucoup de choses. Avec beaucoup de choses, mais il ne m'a pas obligé à croire en ça. Parce que, au fait, la foi, elle doit être une conviction. Et qu'est-ce qui s'est donc passé? C'est que comme il était tolérant, alors moi... Et patient. J'ai, oui, tolérant et patient. Et moi donc, j'ai découvert certaines réalités spirituelles seules avec Dieu. Et donc, voilà pourquoi je me rappelle encore... quand mon mari me disait, tu dois t'occuper, par exemple, bon, je le faisais déjà à l'église adventiste, mais quand j'étais devenue son épouse et qu'il me disait à l'église, bon, à un moment donné, tu dois t'occuper, par exemple, des femmes. Moi, j'ai dit non, je ne veux pas. J'ai dit non, je ne veux pas et je ne veux vraiment pas, quoi. Et quand je disais que je ne veux pas, j'étais vraiment dur comme fer dans ma position parce que pour moi, les choses doivent se faire par conviction. Les choses doivent se faire parce que vous savez ce que Dieu attend de vous, ce que Dieu veut de vous. Donc, si vous constatez que cet homme-là n'est pas tolérant, que cet homme-là, il est tout le temps en train de vous rappeler que vous êtes dans le faux et tout ça, il y a quand même un petit danger. Mais s'il vous accompagne en vous laissant découvrir vous-même, vivre votre expérience avec le Seigneur, eh ben, je crois que vous pouvez avancer. Il n'y a rien de grave. Ici, c'est plutôt l'autre qui doit vivre ses expériences. Ça dépend pourquoi. Parce que, comme je dis, c'est un homme. Donc, il est très probable. Parce que quand je parle aussi un peu avec le manteau d'adventiste. Je sais ce que c'est. Donc, c'est très et pratiquement impossible, en dehors de la main du Saint-Esprit, que quelqu'un sorte une personne de cette doctrine. À cause de l'endoctrinement qui est très puissante et très forte et fait systématiquement. Alors, comme c'est lui l'homme et qu'il sera le chef de la famille, quand, en tout cas si tu veux l'épouser, il faut donc t'attendre à ce que... soit qu'il te rejoigne, ou alors que vous puissiez vivre comme ça, à deux, chacun avec ses convictions. Mais Dieu peut aller au-delà. Dieu peut aussi toucher son âme. Mais la réponse à ta question, comme l'homme de Dieu l'a dit, est-ce que c'est grave? Nous disons, non, ce n'est pas grave s'il est patient et s'il est tolérant. Voilà. Si c'est une bonne personne, c'est pas grave. Si c'est vraiment une bonne personne... Parce que, bon, comme j'ai dit, un adventiste n'est pas une personne nocive. En tout cas, en général. C'est une bonne personne. Si la personne... Parce que, vous savez, il n'y a pas que la religion ou l'église qui détermine la personne. Il y a aussi l'éducation de la famille, comment la personne a grandi. Il y a le cœur de la personne. Est-ce que c'est quelqu'un qui a un bon cœur? Quand quelqu'un est une bonne personne, si l'adventiste, c'est pas dangereux. Je vois Pascaline qui dit maman, c'est quand même dangereux, excusez-moi, et tout ça. En fait, il y a des hommes qui changent d'avis. Qui changent, qui sont d'accord pendant les fiançailles et puis qui changent. Ici, on parlait des adventistes. Il faut faire attention. Quand on dit qu'ici, c'est pas tellement grave, c'est par rapport à la doctrine que la personne a. Voilà. C'est par rapport à la doctrine que nous disons que c'est pas très dangereux. Vous avez un même Seigneur, voilà. Vous avez pratiquement... C'est-à-dire que même s'il ne changeait pas, même s'il ne changeait pas, c'est pas tellement grave. Vous avez le même Seigneur, vous avez le Christ au centre, vous avez pratiquement la même adoration. Oui. La différence se trouve au niveau des jours. Des jours de la... Alors que ni le samedi, ni le dimanche, n'est le jour du Seigneur, mais ce sont des conventions, en tout cas pour le dimanche, des conventions humaines, mais...
nous parlons, comme on l'a dit, exactement pour cette religion. On va dire ça comme ça. Ouais. Mais en dehors de ça, lorsque le Seigneur n'est pas le même, l'adoration n'est pas la même, la consécration n'est pas vue de la même manière. Quand votre ciel est là, en risque. C'est un problème. Ouais. C'est pourquoi au départ, je ne sais pas si tu as suivi, Pascaline, j'ai dit que voilà pourquoi au départ, il faut faire attention avec les points doctrinaux. Quand les points doctrinaux ne convergent pas, mais vous ne devez pas prendre le risque d'écouter cet homme amoureux qui vous dit « Je te laisserai aller prier dans ton église. » Ça devient très dangereux. Que Jésus nous aide. Donc, il y a des pratiques qui sont dangereuses, comme adorer, par exemple, les statues. Mm-hmm. Ce sont des pratiques qui sont dangereuses. Mm-hmm. Il y a des pratiques qui sont dangereuses. Mais quand c'est juste un problème de révélation, c'est-à-dire la personne prie, parle à Dieu, mais il accorde de l'importance au jour, il ne parle pas en langue, ne croit pas en parler en langue, ce n'est pas une personne nocive qui peut détruire votre foi. Mm-hmm. Si vous savez en qui vous croyez, comment vous croyez, il ne va pas détruire votre foi. Par contre, vous pouvez l'influencer dans la prière. En priant beaucoup pour lui, le Saint-Esprit va le toucher. Parce que c'est une personne qui est tellement proche de vous. En priant, le Saint-Esprit va le toucher parce qu'il a déjà Jésus. Mm-hmm. Donc, c'est facile que le Saint-Esprit le touche. Il a déjà Jésus dans sa vie. Mm-hmm. C'est facile que le Saint-Esprit le touche. Mais quand c'est quelqu'un, par exemple, qui ne croit pas que Jésus... En Christ. Et qui ne croit pas en Christ, ça, c'est un problème. Il adore un Dieu qui est en camba. C'est un problème. Vous n'avez pas cru en la même chose. Donc, voilà un peu la nuance, Pascaline. Et je ne sais pas s'il y a une autre question, sinon je pense au petit point suivant. Je parlais de l'environnement ecclésiastique. Oui. Là, on va encore... s'arrêter là ce soir. Ouais, là, il y a encore beaucoup de choses à dire. Mais on n'est plus très loin. Hein, non, pour aujourd'hui, on peut s'arrêter. On peut s'arrêter là. Pour continuer demain. D'accord. L'environnement ecclésiastique, qu'est-ce que tu en dis, chérie? Mais c'est très important. C'est l'environnement qui façonne le caractère. C'est mm-hmm. l'environnement qui vous nourrit spirituellement. Mm-hmm. Dites-moi ce que vous mangez. Je vous dirai combien de temps vous vivrez. Ou mm. peut-être encore... combien de temps vous tiendrez en bonne santé, on va dire plutôt ça. Mmh. Dites-moi, je reprends, dites-moi ce que vous mangez, je vous dirai combien de temps vous pourrez rester en bonne santé. Mmh. Dites-moi ce que vous mangez spirituellement, je vous dirai combien de temps vous resterez en bonne santé spirituellement. Quel type de santé vous avez spirituellement. Donc c'est important qu'on tienne compte de l'environnement ecclésiastique, parce que c'est là où on vous façonne, c'est là que vous recevez les enseignements, et l'enseignement façonne l'homme, l'enseignement façonne le caractère. C'est important de savoir, c'est important de savoir qui est son pasteur, c'est important de savoir quelle relation il a avec son pasteur, elle l'a avec son pasteur. C'est important de savoir dans cette assemblée qu'est-ce qu'elle fait. Est-ce qu'elle est ouvrière? Est-ce qu'elle ne fait rien? Est-ce que c'est un fidèle du dimanche? C'est un dimanchard? C'est important de savoir comment est-ce qu'elle vit dans son église. Parce que c'est le monde spirituel qui influence le monde matériel. Voilà. Donc, en tout cas, observer son environnement ecclésiastique est une chose très, très importante. Parce que vous pouvez savoir quelles sont ses convictions profondes. Parfois, il y a des convictions qu'on n'étale pas tout de suite, mm-hmm. qu'on ne sort pas tout de suite. Mais vous pouvez savoir quelles sont ses convictions profondes juste en observant mm-hmm. son milieu, son environnement ecclésiastique, son pasteur. C'est un peu comme les points dont on traitait tout à l'heure. Oui. Donc, juste en observant son pasteur, son milieu, ce qui s'est dit dans son église, ce qu'on enseigne, oui. et comment les autres frères de l'église vivent leur chrétienté, ça vous donne une idée de là où vous allez vous jeter. Ça vous donne une idée sur l'éducation que auront vos enfants, sur l'avenir de vos enfants. Voilà, l'éducation spirituelle qu'auront vos enfants. Mm-hmm. Voilà, merci beaucoup. Nous voulons passer au décret pour ce soir. Avant de terminer, pasteur, est-ce qu'il y a un décret particulier avant de donner les derniers décrets et terminer? Oh, le décret de ce soir, par la grâce de Dieu, j'aimerais que nous puissions décréter. Mmh. Vous êtes célibataire, vous allez décréter que Jésus vous aide à faire un bon choix. Mmh. Vous êtes marié, vous allez décréter que Jésus vous aide à réussir dans votre mariage, à réussir dans votre vie de couple.
que vous soyez un modèle de réussite dans le mariage, pour votre famille, pour votre entourage, dans votre église, que vous soyez un modèle de réussite. Et vous qui êtes célibataire, décrétez que l'Éternel vous aide à faire un bon choix. Nous décrétons cela au nom de Jésus-Christ. Par l'autorité puissante de Jésus,
Au nom de Jésus, que rien, Saint-Esprit, ne vienne l'éloigner. Au nom de Jésus-Christ. Merci, Saint-Esprit. Gloire à toi, Adonai. Merci, Jésus. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Merci, l'agneau de Dieu. Merci pour les miracles. Au Saint-Esprit. Merci pour ce que tu as accompli. Merci, le Maître nous fidèle. Savons et nous connaissons merci, que tu es un Dieu fidèle. Merci, tu es un Dieu qui entend les prières. Merci, qui exauce les prières. Merci, et qui accomplit des prodiges et des miracles. Merci, le Dieu qui étonne. Laisse que toute personne qui a cru vive ce qu'il a cru. Au nom puissant que chacun vive ce qu'il a cru. Au nom de que cela s'accomplisse par le nom dans le de nom de Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit. Nous avons ainsi prié et décrété. Merci Jésus. Nous disons Amen. 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 Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse abondamment. Il y a la sœur Victorine Safia qui pose la question. Quand votre proposant et toi, vous vivez dans deux pays différents, vous êtes tous deux, enfin, vous êtes vous deux chrétiens. Vous voulez passer du temps et apprendre à vous connaître avant le mariage. Il dort dans une chambre d'amis chez vous et toi chez lui. C'est grave. Chambre d'amis chez vous et toi chez lui. Bon, je comprends que vous êtes dans une même maison et vous dormez dans une chambre. Ah, lui dort dans la chambre d'amis et vous, vous dormez dans sa chambre. Est-ce grave? Oui. Parce que s'il peut dormir chez un ami ou toi, tu dors chez un ami, vous vous rencontrez le matin, c'est mieux. Pourquoi vous voulez dormir dans la même maison? Vous vous aimez. Vous n'êtes pas vous êtes frère et sœur. Vous vous aimez. Quand on s'aime, et puis qu'on reste au salon, on regarde la télévision jusque tard, et puis vous risquez d'oublier la direction de ces chambres-là. C'est jouer avec la table du diable. Oui, oui. C'est très dangereux. Ça risque même de se passer au salon. Ça ne va même pas se passer dans la chambre. C'est au salon. Donc moi, je pense que c'est très dangereux. Ça ne vaut pas la peine. Il peut aller dormir chez les amis, ou toi tu peux aller dormir chez les amis. Il a des connaissances filles, tu peux dormir là-bas. Et puis le matin, vous vous retrouvez, vous marchez, vous causez, vous riez, ainsi de suite. C'est pour éviter que le mal arrive, parce que ça là, c'est pas une garantie. Ne pas dormir dans la même chambre, c'est pas une garantie. Il n'y a pas un policier là-bas, il n'y a pas un fouet, il n'y a rien qui va vous empêcher. Il n'y a pas une barrière électrique. Alors, maman. Voilà, je crois que j'ai répondu. Pasteur, nous sommes arrivés à la fin. Que Dieu soit béni, que Jésus vous bénisse abondamment. C'était encore évidemment un bonheur de nager dans l'atmosphère de la sagesse ainsi que des décrets. Que l'Éternel accomplisse tout ce qu'il vous a dit ce soir par sa grâce et que tous ces décrets se posent sur vos têtes et que ça se manifeste. Nous sommes ensemble par la grâce de Dieu. Si Jésus-Christ nous garde vivants demain à 22h30, heure de Kinshasa, j'ai remarqué que certains se connecte un tout petit peu en retard, c'est-à-dire 20 minutes de retard des fois, et même des fois même plus. Soyez toujours connectés, et vous savez c'est à quelle heure que ça commence. C'est pour vous permettre de bien comprendre, quand on prend les choses à la Genèse, on pourra comprendre l'Apocalypse. Que Dieu vous garde, achat parcelle continue, et nous vous encourageons à le faire. Les gens le font déjà, nous-mêmes aussi nous sommes dedans, et nous croyons que Jésus nous permettra d'acheter cette terre. Que Dieu vous bénisse abondamment, une très bonne soirée à vous et que l'onction de Dieu ne vous quitte pas. Au revoir. Au revoir. Adia, Zandwa, Zandwa ba profeta, Zandwa kutenda kubanga, Abrahama, Zandwa Isaka, Zandwa Yakob. Zandwa Mosa, Zandwa Elia, Nkwana Mchona Kwa. Oh Père, il n'existe pas meilleur endroit que ta présence. Où tu es, je veux être. Où tu es, je veux demeurer. Alléluia. Dans cette pièce, je ne voudrais qu'avoir deux chaises, une pour toi, une pour moi, pour t'entendre de plus près haut. Dans cette pièce, je ne voudrais qu'avoir deux chaises, une pour toi, une pour moi, pour t'entendre de plus près haut. Je voudrais t'écouter haut. Yahweh, je voudrais t'écouter, oh, 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 oh.
des heures avec toi, juste toi et moi, comme on sait. So come down in this place.